13-12 pour Jennings et Feuerbringer. Mike Lambert ici, né à Hawaï donc, qui s'est trouvé quand même un partenaire de renom. Même s'il est tout jeune, hein, il a quand même 30 ans, Mike Lambert. Mais il y a une sacrée complémentarité entre les deux hommes. Jennings qui fait quand même un match magnifique. C'est pas par hasard qu'il a été. On a déclaré que c'était le joueur qui avait le plus progressé lors de la saison 2002 et de la saison 2003. Je vous rappelle que pour l'instant, il y a eu 80 vainqueurs différents en autant de tournois dans cet AWP Tour. Donc, il y en aura forcément un cinquième. Un diagonal très très difficile à aller chercher. Enfin, ça fait quelques minutes maintenant que Feuerbringer et Jennings font la course en tête dans cette deuxième manche. Quel bloc encore de Mike Lambert pour égaliser. Il monte très 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 haut. Celle-là, impossible à relever. Mike Lambert qui n'a encore jamais gagné. Alors il est à 7 points évidemment de sa première victoire en beach sur la WP Tour. Mais Feuerbringer et Jennings ne vont pas abdiquer comme ça. Oh, deuxième faute directe au service. C'est des points facilement donnés à l'adversaire. On est obligé de prendre des risques. 15 partout dans cette deuxième manche. Encore 6 points et Kirill et Lambert pourraient remporter leur premier tournoi cette saison. Allez, Loan, elle est sur la ligne. La WP Tour qui, pour sa prochaine étape, restera en Californie, tout au sud, à San Diego. Bien évidemment, un tournoi que vous pourrez suivre sur Sport Plus avec la finale homme et la finale femme. Feuerbringer au service. Le bloc de Lambert, mais qui sort. Casey Jennings qui fait une partie remarquable quand même. Alors certes, Feuerbringer il est là, il est au contre, il est bien à la passe. Mais on voit vraiment beaucoup Casey Jennings. Regardez cette défense de Jennings. Elle est parfaite cette défense. Et derrière, la passe ne l'est pas moins. Mais en termes d'effort physique, Jennings, il produit vraiment une performance exceptionnelle. On cherche à passer par-dessus. Et en touchant les mains, point pour Karch Kerali, 16-17. Karch Kerali qui dispute sa 8e finale ici à Manhattan. Sur les 7 premières, il s'est imposé 7 fois. Oh, superbe! Oh, quelle défense! Oh, c'est un peu long, mais alors franchement, mais elle a été touchée. Ils ont touché le fil, 17 partout. Là, ça va faire mal psychologiquement à Jennings et Feuerbringer. Point exceptionnel de Karch Kerali, qui n'est pas le meilleur volleyeur du monde pour rien. Et regardez. Et là, il a vraiment trouvé son complément avec Mike Lambert. Et voilà, il touche le fil en retombant.
Voilà pourquoi le point a été donné à Kiraly et Lambert. Cette finale, cette victoire pour Karch, Kiraly et Manhattan. Et le contre encore magnifique de Mike Lambert. On va l'apprécier au ralenti. C'est somptueux. 18-17 à 3 points de son premier titre, Mike Lambert. Vous entendez les joueurs qui communiquent énormément. Diagonale. Oh, elle est d'or! Elle est d'or! 19-17 à 2 points du match. Karch Kiraly peut-être pour aller chercher sa 143e victoire en beach volley, c'est prodigieux. Et Mike Lambert, son premier sur la VP Tour. Évidemment, un temps mort a été réclamé par ceux qui sont menés dans cette rencontre. Il va falloir trouver une solution très très rapidement. Peut-être la première victoire de la carrière de Mike Lambert. Et pour ça, il aura fallu s'associer avec le meilleur volleyeur de tous les temps, Mike Lambert, qui chante et on va l'écouter. Il vante les mérites de la VP Tour. We are the AVP. It's a sexy sport on our little court. We are the AVP. We got the bomb events under the black and yellow tents. We are the AVP. Voilà Mike Lambert qui passe donc son temps également à jouer un peu de guitare et à entonner la chansonnette. Et là, il va peut-être pouvoir l'entonner quelques temps si jamais il parvient à aller chercher le premier titre de sa carrière. Ils sont à deux points de la victoire finale en deux manches. Mike Lambert qui est venu donc très tard au beach après une longue carrière en salle. On vous rappelle quand même qu'il a participé à deux Jeux Olympiques, Atlanta et Sydney en 96 et 2000 avec l'équipe américaine. Kerry Walsh ici, la petite copine de Kevin Jennings, quand même un petit peu inquiète. Et le bloc victorieux de Mike Lambert, 3 balles de match pour Karch Kiraly et Mike Lambert. Mike Lambert, il le veut ce premier titre et il est bien décidé à aller le chercher coûte que coûte. 3 balles de match. Il est au service. Et la réception difficile de Forbringer. Derrière, l'attaque est magnifique. C'est pas encore terminé. Hein. Forbringer qui est en train de se motiver, vous le voyez. Déjà assurer le service et être bien présent au contre. Deuxième balle de match sur service adverse. L'attaque derrière, le point de la victoire et c'est terminé. Voilà Karch Kiraly encore une fois avec sa malice et sa ruse et qui s'offre son premier titre de la saison mais qui offre surtout le premier titre à Mike Lambert. Il est heureux, le joueur venu d'Hawaï. Karch Kiraly et Mike Lambert, cinquième paire différente à s'imposer cette saison sur la VP Tour. Mais quelle victoire, Karch Kiraly est un monument. C'est sa 143e victoire en beach volley. C'est tout simplement prodigieux, l'homme aux trois titres olympiques qui s'impose donc en compagnie de Mike Lambert. C'est un homme de légende qui s'est associé avec Mike Lambert. Il le sait, le garçon de Honolulu, et il remporte aujourd'hui son premier titre. C'est certainement pour lui un très très grand jour pour Karch Kiraly. C'est presque une habitude, mais on a vu qu'il avait toujours faim de victoire. En tout cas, un match magnifique
durant lequel eh bien quand même Casey Jennings et Matt Feuerbringer ont offert une très très belle contrepartie à cette paire. C'est même la 145e victoire et la 8e victoire à Manhattan pour Karch Kerley. 8 victoires en 8 finales, ça s'appelle de la perfection. Essen, janvier 2003. La décision fuit Frédéric Clauss, battu par l'Allemand Michael Trabant pour le